Détruire cette usine a eu plus d'impact que ce que l'on pensait. L'amiral Akbar appelle tous les vaisseaux de la République à se rendre sur Jakku. Toute la flotte impériale s'y trouve, excepté l'équipement qu'ils auraient dû recevoir de Sulust. Je suppose que mon père sera également de la partie. Mais sa capture n'est plus une priorité. Cette bataille pourrait mettre un terme à la guerre. Joignons-nous au combat et aidons de notre mieux. Carabast. Je capte des signaux de détresse. Il y en a trop pour les compter. Del, le Corvus est à vous. Couvrez les airs. Shriv et moi, on va aider au sol. Attendez un instant. Iden. Reviens, saine et sauve. Faites en sorte de préserver le vaisseau. Hé, hey, Shriv, j'espère que tu survivras aussi à cette mission terriblement dangereuse. Oh, merci, Del. Ton amitié compte aussi énormément pour moi. Excellente idée. Posez-nous quelque part. Je sais que c'était mon idée. Comment est-ce qu'on va condamner ce hangar ? On entre et on fouille l'épave pour trouver des détonateurs télécommandés. Ils ne savent pas que nous sommes là. Bien. Restez là. Attendez que j'ouvre le feu. Bien joué, droïde.
bloquer les derniers. La voie est dégagée jusqu'au hangar. Il nous faut juste ces détonateurs. Des détonateurs, là. Il va en falloir plus que ça. Essayez d'en trouver d'autres. Des détonateurs. Encore des explosifs. Il est temps de fermer définitivement ce hangar. Génial. Chasseur des lieux. Trouvez des armes lourdes. Vite. Attention aux snipers. On l'a eu. Paraît qu'ils n'ont rien vu venir. Sur les TIE. Une explosion de cette ampleur va avoir des répercussions jusqu'au système du moteur ionique. Et détruire le vaisseau depuis l'intérieur. Précisément. Détonateur placé. Détonateur armé. Ok, compris. Tirons-nous de là, et vite. Ça doit être leur équipe de sauvetage. Ils arrivent de partout! Alors tirez partout! Vite, au vaisseau! Attention, ennemi lourdement armé! Dégagez-nous la voie! Continuez comme ça, on y est presque! On devrait retourner à nos vaisseaux. On n'a pas de temps à perdre, commandant. J'espère qu'on a posé assez de détonateurs. On dirait que oui. C'est magnifique. C'est ça qu'on appelle le bonheur? Ici l'unité Starhawk. On ne trouve pas d'ouverture dans la formation impériale. Impossible de faire une percée pour l'instant. Nous avons besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ici l'unité Starhawk. Il y a de l'animation là-haut. Dans une bataille comme ça, c'est chacun pour soi. Le mieux qu'on puisse faire, c'est se concentrer sur ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe si on croise votre père? Ça fait tellement longtemps qu'on traque. Je ne sais pas ce qui se passera si on le trouve maintenant. On reste concentré. Ce n'est pas la mission. Dell, nous approchons d'un signal de détresse. Connectez-moi. À vos ordres. Ici le capitaine Lindsay. On s'est écrasé et des marcheurs impériaux déciment les survivants. Il nous faut une évacuation et vite! Attention, vaisseau ennemi en approche.
Chasseur TU en approche. Détruisons-les. Chasseur. Ici le commandant Iden Versio de l'escouade Inferno. Les secours arrivent, capitaine. Inferno! Les TBTT se dirigent vers le site de notre crash! Couvrez-nous, capitaine. On se pose à votre position. Merci, commandant. On a été abattus alors qu'on se rendait à la crête de carbone. On vous y conduira. On ne peut pas évacuer avant d'avoir détruit ces marcheurs. Alors il nous faut une frappe orbitale. Où sont vos macro jumelles? Quand on s'est replié ici, on a perdu les jumelles en chemin. Suivez-moi, irons les chercher. Restez là et tirez sur nos tirs. Trouvez! Shreve, connectez-moi à la flotte. D'accord. Escouade Inferno au commandant de Starco. Demande de frappe orbitale. Si le commandement de Starco, Inferno, frappe orbitale autorisée. Marquez votre cible et nous ferons feu. Ennemis lourdement armés. Barrage orbital, ici. Soldats lourdement armés. D'autres impériaux arrivent. Confirmé. Le TBTT est détruit. Allez, Starhawk. Merci, vous avez sauvé de nombreuses vies. Inferno, on se replie vers la zone d'évacuation. Par ici! Dell, sortons le capitaine Lindsay d'ici. J'arrive pour vous récupérer, commandant. Tout le monde à bord!
Désolé. Avec plaisir, capitaine. Bonne chance là-bas. Shreve, retour au vaisseau. On peut reparler une seconde de ces questions. Bien sûr, qu'y a-t-il? Ce truc, je crois que j'avais jamais rien vu d'aussi bon. S'empare actuellement de la crête de carbone. J'y serais jamais arrivé sans vous. Et moi ? Comment ça se passe, là-haut ? Je ne sais pas, mais... je crois que l'Empire est en train de perdre. J'ai la même impression. C'est presque terminé. Aujourd'hui, c'est la fin de l'Empire. Mieux vaut tard que jamais. Commandant, on a un problème. C'était quoi, ça? Votre père. Il nous a trouvés. L'amiral envoie des bombardiers à la poursuite du Corvus. Ils devront d'abord se débarrasser de nous. Éliminons-les. Bien, commandant. Thank you.
Oui, ça va. Bien. Regardez autour de vous. C'est presque fini. Pas encore. Mettez le Corvus. C'est l'abri. Je vais finir ce qu'on a commencé. Je vais chercher mon père. Iden, il n'en vaut pas la peine. Je dois ici. Maintenant, partez. Très bien. Retraite! Del, je vais trouver un moyen d'entrer. Vous et Shreve, suivez l'autre signal de détresse. Iden, non, pas question. Nous revenons vous chercher. Négatif, c'est un ordre. Droid, désactive la ligne. Iden, non. Je les vois. Attention. Thank you.
crois que c'était les derniers. Trouvons une entrée. Il faut qu'on sorte mon père de ce vaisseau avant qu'il s'écrase. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas à sombrer avec lui. C'est une tentative de sauvetage. Je me dois de refuser. Nous devons partir. Rax aussi préférerait que je parte. Mais ma place est ici. J'ai voué ma vie entière à cet Empire. Je me suis battu pour sa gloire. Difficile de croire que c'est tout ce qu'il en reste. Papa, allez, viens. Tu as vu la faiblesse de l'Empire. Et tu as refusé de la laisser te dévorer. C'est ce qui t'a rendu plus forte. C'est pourquoi tu partiras d'ici sans moi. Tu mérites de t'en sortir. Non, je ne le mérite pas. Mais toi, Silden, tu mérites de vivre dans un monde en paix. Va-t'en. Protège-toi. Et vis ta vie. Je rejoins Dave. Il faut que j'y arrive. Roy, rétablis les communications. Dave, l'éviscérateur va s'écraser. Vous me recevez? Dave! Vous m'entendez? J'arrive, Dave. Il m'a dit que vous étiez toujours en vie. On dirait bien. J'en suis ravi. Bon, suivez-moi. Faut que vous voyiez ça.